Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous pour vos encouragements, vos partages, vos likes et vos commentaires qui me vont droit au cœur, que Dieu vous bénisse. Et à ceux qui n'aiment pas ma chaîne, qui me donnent des dislikes, qui n'aiment pas ce que je fais, de tout cœur, je vous remercie de votre passage. Quant à moi aujourd'hui, je vous présente mes brochettes de blanc de poulet. Simple à réaliser, c'est parti pour la préparation, c'est parti. Pour réaliser mes brochettes de blanc de poulet, j'aurai bien sûr besoin de blanc de poulet. J'ai pris environ 2,5 kg et j'aurai besoin de poivron rouge, poivron vert, poivron jaune. J'aurai besoin de mélange d'oignons, l'oignon rouge et l'oignon blanc. J'aurai besoin aussi d'une cuillère à café de miel. J'aurai besoin de 2 cuillères à soupe de moutarde au miel. J'aurai besoin d'une cuillère à café d'ail en poudre. J'aurai besoin de 2 cuillères à soupe de mon assaisonnement maison. Choisissez l'assaisonnement qui vous convient. J'aurai besoin de 2 cuillères à soupe de paprika, pardon. J'aurai besoin de 3 cuillères à soupe de yaourt maigre ou entier, à vous de voir. J'aurai besoin de l'huile neutre. J'aurai besoin de 2 cuillères à soupe de ketchup manis. J'aurai besoin de poivre, beaucoup de poivre. Si vous n'aimez pas le poivre, n'en mettez pas. J'aurai besoin des tiges à brochettes que j'ai plongées dans de l'eau froide. J'aurai besoin aussi de mélange d'herbes aromatiques que voici tout en bas. Donc voilà, ça ce sont mes ingrédients. Donc poulet, poivron, oignon, ail, paprika, yaourt et tout le reste. Je mets maintenant mes morceaux dans un grand plat parce que je vais maintenant les mariner. Donc le yaourt, vous pouvez prendre le yaourt maigre. Moi, j'ai pris le yaourt maigre parce que je vais ajouter l'huile. C'est pourquoi j'ai pris le yaourt maigre. À vous de voir. 3 cuillères à soupe de yaourt que je verse dans mon plat où se trouvent mes morceaux de poulet que j'ai coupé, nettoyé et tout. J'ajoute le miel. Voilà, j'ajoute le miel. Ensuite, je vais ajouter mon paprika. 2 cuillères à soupe de paprika. Ensuite, je viens ajouter mon assaisonnement maison. Ensuite, je viens ajouter mon ail en poudre. Ensuite, je viens ajouter ma moutarde au miel. Vous pouvez prendre la moutarde nature. Ensuite, je viens ajouter mon ketchup manis. Si vous n'avez pas de ketchup manis, prenez la sauce soja. Ensuite, je viendrai ajouter mon poivre. Beaucoup, beaucoup de poivre. Si vous n'aimez pas l'ail, n'en mettez pas ou réduisez la quantité. Si vous n'aimez pas trop de poivre, poivre noir, réduisez la quantité. Donc, à vous de voir. Ensuite, je viens ajouter mon mélange d'herbes aromatiques origan, persil et basilic. Ensuite, j'ajoute mon huile et je mélange. Je m'excuse aussi, j'avais le vernis et je n'avais plus de gants. J'ai pas eu l'idée de nettoyer mes ongles. Je n'aime pas préparer avec le vernis. Mais là, j'ai pas eu l'idée de nettoyer mes ongles. Et quand je mettais mes brochettes, je me suis rendu compte, oh, mon vernis. Je n'aime pas trop préparer avec le vernis. Mes ongles avec le vernis, je n'aime pas. Mais je n'avais plus de gants, donc faites pas attention à mes ongles, s'il vous plaît. Je mélange très très bien et je vais couvrir et je vais laisser minimum 1 à 2 heures. Le mieux, c'est de le faire la veille et mettre au frais. Les saveurs vont bien se mélanger et ça sera meilleur. Voilà. Après 1 à 2 heures de repos, de marinade, je vais maintenant passer à l'autre étape, c'est embrocher mes morceaux de poulet, donc piquer mes morceaux de poulet dans la tige à broche. Je commence par le poivron, ensuite le morceau de poulet, ensuite l'oignon, ensuite le poulet, ensuite le poivron, ainsi de suite. Il y a d'autres que je ferai sans l'oignon et sans les poivrons. Donc, ne tenez pas rigueur
Ah, mes anges, ne regardez pas mon vernis, s'il vous plaît. Moi-même, je déteste déjà préparer avec les ongles, avec du vernis. Et là, je n'avais pas de gants. Je n'avais plus de gants quand j'ai fouillé, plus de gants. Donc, j'ai pas eu l'idée automatiquement de nettoyer mes ongles. Mes excuses, si je m'excuse parce que moi-même, je n'aime pas préparer avec les vernis, 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 vernis. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, on passe à notre recette. Donc là, je place mes morceaux, voilà. Comme ceci. Et je continue l'opération jusqu'à ce que j'aurai terminé d'embrocher mes blancs de poulet. À vous de choisir si vous voulez mettre deux morceaux, trois morceaux, quatre morceaux, si vous voulez faire une tige pleine. À vous de voir, à vous de voir. Le yaourt comment dire, va attendrir ma viande. Voilà, le yaourt va attendrir ma viande. Déjà, bien que le blanc de poulet est déjà tendre, mais ça sera plus doux, plus moelleux. Voilà, je ne sais pas quoi dire, comment le dire, mais ça sera plus doux, plus moelleux. La saveur sera différente. Voilà, après avoir embroché mes blancs de poulet, je les place sur mon barbecue qui chauffe très bien et je veux rester devant mon barbecue parce que le blanc de poulet cuit plus vite. J'ai pas envie d'assécher la viande du blanc de poulet parce que si c'est trop sec, c'est plus bon. Donc, il faudrait que ça reste juteux à l'intérieur. Donc, cuit, mais à l'intérieur, ça ne doit pas être sec. C'est juteux, on doit vraiment sentir que c'est bon, pas sec. Donc, je vais rester là, à tourner jusqu'à la fin de la cuisson. Je ne peux pas vous donner combien de temps, mais tout ce que je peux vous dire, ne laissez pas trop longtemps le blanc de poulet au feu parce que ça risque de sécher. Et c'est pas bon quand c'est trop sec. Le blanc de poulet n'est pas bon. Le blanc de poulet doit avoir encore son jus. On doit sentir qu'il est encore humide à l'intérieur. Donc, c'est le seul conseil que je peux vous dire. Ne laissez pas trop le blanc de poulet au feu parce que ça devient sec. Pareil quand on grille le blanc de poulet, pareil quand on prépare en sauce. Moi, par exemple, le blanc de poulet, j'aime le mettre par exemple vers la fin. J'ai déjà fait ma sauce et je mets ça à la fin. Je laisse cuire après peut-être 10 minutes et voilà. Donc voilà. Là maintenant, on attend la cuisson. Voilà, j'ai placé mes brochettes sur le barbecue, mais ce jus où j'ai mariné mes blancs de poulet, je ne jette pas ce jus-là. Je vais utiliser ce jus de la marinade pour badigeonner sur mes brochettes. Donc, ce jus-là, puisqu'il y aura un peu de gras, le blanc de poulet déjà n'a pas de gras. Donc, il y aura un peu de gras, ça va nourrir la chair du blanc de poulet. Voilà, je viens ajouter un peu d'huile encore et je vais bien mélanger cette sauce où j'ai mariné mes blancs de poulet et je prendrai cette sauce, pardon, je vais aller badigeonner sur mes blancs de poulet, donc sur mes brochettes. Et c'est cette sauce qui va nourrir la chair du blanc de poulet et permettra que la chair du blanc de poulet puisse rester juteuse. Donc la chair du blanc de poulet restera juteuse. Voilà. Là, c'est presque cuit. Donc je retourne maintenant pour que tous les côtés puissent bien cuire. Et en même temps, je vais prendre ma sauce à l'aide d'un pinceau. Je vais badigeonner.
Voilà, ma sauce est là. Faut bien mélanger. Voilà, et ensuite, je viens badigeonner mes brochettes. Ce gras qui se trouve dans la sauce, c'est ça qui va nourrir mes blancs de poulet. Et c'est ça qui permettra que mes blancs de poulet ne soient pas trop secs. Voilà, on voit bien même comment la brillance, quand j'ai badigeonné, regardez, la brillance est différente. Et là, je vérifie maintenant si c'est prêt, je retire du feu. Vraiment, il ne faudrait pas que ça reste longtemps au feu. Et là, je retire ceux qui sont déjà prêts du feu. Je les retire du feu, ceux qui sont cuits. Excusez-moi si je répète les mêmes mots. Faudrait pas aussi que votre feu soit trop fort. Donc, voilà. Mes brochettes de blanc de poulet au barbecue sont prêtes à être dégustées. Voilà. Simple à réaliser. Simple, simple, simple. Comme je dis toujours, il suffit d'avoir les condiments ou l'assaisonnement ou les accessoires. Voilà, j'accompagne ça avec une salade pimentée de concombre, composée de concombre, poivron rouge, poivron vert, poivron jaune, tomate. Simple aussi, et puis j'ajoutais du piment, du vinaigre et l'huile. Voilà comment est-ce que j'accompagne ça. Voilà, à vous de savoir comment est-ce que vous allez accompagner ça. J'espère que j'ai été nette dans mes explications. Et si je n'ai pas été nette dans mes explications, veuillez m'en excuser. J'espère aussi que cette vidéo vous plaira. Et si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis bon appétit et bonne dégustation. On se retrouve à la prochaine recette si Dieu le veut. Et le permet, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci. Bye.